émissaire américain d'entre jeux déclaré pendant conférence pour la presse, les États-Unis ont couru une solution côté tout le monde la donne. Émissaire encouragé dans sa salle pour le ministre Ariel Henry pour faire plus d'efforts pour un accord largement large. L'une des choses que nous encourageons, c'est que les gens se mettent ensemble et arrivent à forger une vision unique pour l'avenir d'Haïti. Dans ce qui concerne le retour à l'ordre constitutionnel, les États-Unis pas encouragé pour l'élection à organiser dans le finissement de l'année. Les deux préférences pour une transition côté acteur haïtien doit prendre le temps qui est nécessaire pour permettre le pays de retourner sur la voie démocratie. Et nous ne sommes pas et nous n'encourageons pas des élections pour cette année même. Pour ce qui est de la transition, donc elle durera autant que cela nécessaire pour permettre à une grande majorité d'Haïtiens d'arriver à une entente. De l'autre côté, émissaire by garantie administration Biden paré pour faire tout ça li capable pour aider le gouvernement haïtien dans l'enquête sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. L'assassinat horrible du président a eu lieu en Haïti. Et de toute évidence, les États-Unis coopèrent avec Haïti dans les domaines où ils ont juridiction. Plus loin, Brian Nichols annonçait arriver dans le pays avant longtemps une équipe technique dans le département d'État avec le secrétaire d'État dans les affaires droit monde dans l'idée pour discuter sous question justice et sécurité dans le pays. Mauvais traitement migrants haïtiens TCB sous pont del Rio dans la frontière Mexique avec les États-Unis t'es fait objet conférence pour la presse. Émissaire t'es profité pour présenter esquisse administration Biden avec peuple haïtien. Vous avez tous vu les images concernant les traitements subis par les Haïtiens à la frontière. Donc je veux présenter nos excuses et je veux préciser que ces gens n'ont pas reçu d'ordre du département de la sécurité intérieure. Et le secrétaire à la sécurité intérieure, une fois avoir vu ces images, donc a présenté ses excuses et a donné des directives pour que ça soit rectifié. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. DNP a proposé pour gagner un accord unique dans trois accords qui doit déboucher sur un gouvernement qui a représenté trois accords. Gouvernement ça a gagné pour mission organiser référendum, élection et résoudre un problème de sécurité. D'après Eric Jean-Baptiste, qui était dans le micro José Belamou. Nous disons qu'il faut gagner un accord dans tout accord. Nous avons été attachés à un protocole en tant que national là, qui est en application à 50%. C'est nous-mêmes et la classe politique là qui te baille à PM Ariel une certaine légitimité qui fait que les capables premier ministre jeudi. Donc il n'y a pas appliqué à 50%, non, l'autre 50% qui est croqué en l'air. Et comme la politique elle est dynamique, nous-mêmes dans RDNP positionnons évoluer. Gagner accord Montada, il y a des bons bagages là-dedans. Mais cependant, nous devons dire déjà, il y a deux points de grande divergence que nous gagnons ensemble avec eux. Il y a un accord pour gouvernance apaisée que PM Ariel signé à quelques très rares partis politiques, mais nous-mêmes dans RDNP, nous pas signé. Et si nous n'avons pas aucun accord que nous signons avec PM Ariel, au 7 février 2022, mandat fini. Nous proposons pour que gagner un accord dans trois accords. Côté que va gagner nous proposer pour que gagner un triumvirat dans tête l'État comme exécutif par les lettres. Côté que va gagner un représentant de Pénin, protocole en tête national là, qui font seul ensemble avec résolution Sénat. Nous proposer pour que gagner un représentant de société civile là dans l'accord qui est Montana. Et nous parler de un représentant de pouvoir sortant. Secrétaire général RDNPA, Eric Jean-Baptiste, a fait connaître ces 17 politiciens haïtiens qui étaient rencontrés émissaires américains. Eric Jean-Baptiste dit regrette ces blancs américains qui forcent au chita ensemble alors que l'État fait un plaidoyer pour tout secteur chita ensemble. Il n'y a pas de jambe et sa importance. Après rencontre, ça, différents acteurs ont été d'accord pour monter une commission 5 membres qui a pour mission faciliter dialogue pour arriver faire trois accords au fait en selle. Parole Eric Jean-Baptiste. Secrétaire général
général fusion, heureusement Pradel qui dit te représenté Diapod dans raconte ça croit fusionner à quoi yo pas porter aucune solution mais plutôt plus problème. Heureusement Pradel fait qu'on est jusqu'à présent tout acteur aurait été sous code radio responsable fusion croit c'est plutôt absence un projet national qui la gagne en crise sans arrêter ça, qui la gagne en crise sans arrêter ça bon dit bien. Heureusement Pradel t'es profité des menti paroles qui t'a fait croire gagne en commission qui montait pour faire suivi après discussion yo. En côté Rosemont Pradel. Pas de discussion. Pradel a dit le mot discussion, il faut qu'il y ait échange. Pas de discussion. Il y a des compréhensions exposées. Et émissaire, il attendait et puis il a fait une idée. Moi-même, pas quoi que c'est émissaire qui pral dit qui ça pour nous faire. Moi-même, pas quoi. Si elle a entré, nous pas la donne. On a fait le jeu du blanc. Même pas quoi ça pour nous faire. C'est pas le jeu du blanc, mais que. Nous avons dit des bagailles que nous comptons et puis dans le comportement, nous avons un comportement blanc. C'est-à-dire que nous avons un capitaine blanc. Moi, je ne sais pas quoi c'est ça. D'ailleurs, on est capable de bravo, blanc, c'est pas un blé, pas un pibon, etc. Pas un pibon, etc. Moi, si c'est là l'entrée, nous ne pouvons pas sortir. Moi, je me fais intervention. Moi, je te dis, le problème d'Haïti est un problème politique. C'est un problème politique, son pays, côté que. Il y a toujours une instabilité politique créée, bien sûr, et cette instabilité politique n'a pas favorisé Santa Cabrera, la construction d'une économie solide et créer les conditions pour que Ouka gagne Santa Cabrera une évolution sociale. Chez les lui doit qualifier démagogique monter descendre représentant gouvernement américain a fait dans pays a porte-parole tête ensemble dans quoi blanc fait temps passé pour atteindre objectif pas là qui s'est organisé élection pour continuer mettre l'idée pas là. Chez les lui doit critiquer ancienne opposition qui décide ici encore pour bail Ariel Henry légitimité pendant oublier transition ripti changement système à confiance nationale là en côté déclaration dans micro Romanes samedi. Si mon piti après le chitag nan blanc, ambassade américaine, je fais Gilbert ne yon faire Romanes. C'est blanc qui a fait affaire. C'est blanc qui a fait affaire. Parce que on sait de bagaille blanc besoin de retirer dans l'esprit nous. Et malheureusement, si en opposition, qui t'elle prend dans ça, qui commence, il perd du moment. Question transition, rupture, on peut fâcher blanc par ça. Non. Changer système n'a fait ni ti groupe cap sous ces pays à blanc paniqué. Conférence nationale côté nous tendez nous dit nous pral chita en conférence nationale grand monde pour nous définir pays pendant 25 50 ans ça veut trois baisons et en pile nèg yo font jouette Jovenel assassiné en pile y a fait nous monter descendre y a vinn parler avec nous yo prend équipe à Jean Ariel on équipe à là et puis équipe qui a le pouvoir à Ariel. Blier que le t'es parlé, qu'on vole le monde qui mourit pour transition de rupture, pour conférence nationale, pour changement système. Yo confortable là. Gon équipe même cap veiller, cap garder qui les pouvoirs à tourner vin joignent yo. Parce que blanc dit nous tous ces belles garçons, nous tous sommes la président. Ma fort président, ma fort président, ma fort sénateur, ma puis tout nèg candidat enragé à tel point gon bagay gravissime qui passe dans un compte plan que nèg yo a serré nous. Il y a plusieurs syndicats transports quoi association propriétaire chauffeur la plaine SOS transport dit aussi hésitante que quelques syndicats qui lancé grève pour aujourd'hui lundi 4 octobre là syndicaliste a fait qu'on est chauffeur au poco en mesi pour supporter grève là l'a considéré mauvais moment le chauffeur saute passé à la période pays loc là le secrétaire général APCPS Edvard Dorisme critiqué complètement groupe on était lidi syndicaliste qui fait politique sous dos au chauffeur un côté Edvard Dorisme. Juste pour nous capables de faire une remarque ensemble avec la population, ensemble avec tous les chauffeurs qui après nous de temps à autre, téléphone nous presque fin crasé. Les chauffeurs après nous, propriétaires après nous, côté que nous avons dit que nous attendons, nous annoncé grève et semaine qui passe, semaine qui vient, soit et lundi 4 et octobre, côté que nous-mêmes, nous. Toujours gagner un principe, toujours gagner une méthode, le nous organiser grève en dedans pays. Hein. Le nous organiser grève, secteur transport, hein, c'est tout secteur là, net, dans tout quatre coins pays, hein, tout syndicat qui réunit autour d'une table, qui planifie, organise et lance grève. Donc je dis là, c'est dans la radio, c'est dans la télévision,
nous même dans ABCPCS, nous tendez que gagnent des organisations qui lancent grève. N'a toujours été avec dans même dossier ça qui mouvement transport haïtien qui démenti information qui t'a fait croire la supporter mouvement grève quelques syndicalistes secteur transport a été annoncé pour, alors et annoncé pour jeudi lundi 4 octobre qui jeudi à là dans l'idée pour dénoncer phénomène insécurité à Karate Gazlan pour mute c'est premier ministre Ariel Henry qui des mouvement ça une façon pour qu'a organiser élection pressé c'est occasion pour coordonnateur général Mutlan mandé à population haïtienne non n'a parlé là de Duc le Bénissois pour mobiliser en façon pour forcer premier ministre Ariel Henry démissionné à cause de l'immanqué légitimité d'après syndicaliste. En côté déclaration du club Bénissois, un micro collaborateur, nous, Jean-Wilner Sévère. Il dit que MUT lance grève. Nous dit non, MUT pas lance grève. Son groupe qui va être nommé les forces, que nous ne connaissons pas du tout côté sorti, qui est le calé, qui lance mon ordre de grève. Les relancer, il y a deux objectifs, on dit quatre points dans mon ordre là. Premier point, c'est question gaz. Deuxième, c'est sécurité. Troisième, c'est justice pour Jovenel Moïse et Doral. Quatrième, non, c'est élection générale rapide au président de la pays. Au fil du temps, nous regardons que la a changé. Il y a retiré Jovenel Moïse là-dedans et élection 1 parce que il y a des camarades qui disent signe. Alors, même les gens qui parlent, quand ça signe, mettez ça, peuple, pas mettre là-dedans. Ils n'ont pas parlé de lui encore, ils font l'autre point qui est les rapatriés haïtiens qui sont sortis aux États-Unis. Pas fait, peuple, ça. Objectif là, pas cacher le fan deal. C'est grave, il semble que Ariel Henry. Qui besoin faire élection et puis il voyait déjà faire conférence pour faire grève pour lui depuis grève la réussi et puis il a dit peuple a mandé élection tellement vrai après réunion la monsieur nego financer mon ordre là et puis il révoque le conseil électoral là ça c'est photo que j'ai été réuni avec Ariel Henry avant de lancer mon ordre là mais s'il a fait ça n'a pas mis le peuple là en erreur maintenant il a fait Ariel sorti arrêté ou encore décision pour le conseil là.